On est rassemblés ici aujourd'hui avec une vision positive pour l'avenir de nos deux langues officielles au Canada. French and English, our two official languages, are an important symbol of our diversity in Canada. It is a great legacy that is central to our identity and that we must continue to uphold. Depuis 2015, notre gouvernement a fait des investissements majeurs pour protéger et promouvoir nos langues officielles en situation minoritaire. On a investi dans la culture, par exemple, dans CBC Radio-Canada, dans le Conseil des arts du Canada et dans Téléfilm Canada. Avec l'Ontario, un petit peu contre l'Ontario, on a obtenu des fonds pour bâtir une nouvelle université francophone à Toronto. En parallèle, oui, on peut. En parallèle, on a aussi investi pour soutenir des établissements anglophones au Québec. Mais on le sait, le français est minoritaire en Amérique du Nord et ça rend sa situation fragile. Et avec les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, l'anglais prend de plus en plus de place à travers le monde. Alors, en tant que gouvernement, c'est notre responsabilité de continuer à protéger nos langues officielles en situation minoritaire. C'est pourquoi on a introduit le projet de loi C-13 qui vise à moderniser la loi sur les langues officielles. Et c'est aussi exactement pour ça qu'on lance le nouveau plan d'action pour les langues officielles aujourd'hui. Durant les cinq prochaines années, on va faire des investissements historiques pour protéger et promouvoir nos deux langues officielles. Notre plan d'action s'appuie sur quatre thèmes. Premièrement, le rétablissement du poids démographique des francophones au pays grâce à l'immigration francophone. L'an dernier, par exemple, on a atteint notre cible pour l'immigration francophone à l'extérieur du Québec avec le nombre le plus élevé depuis 20 ans. Et on est déterminé à continuer notre travail dans cette direction. Deuxième pilier, on va favoriser les possibilités d'apprentissage partout au pays. Troisièmement, on va appuyer les organismes communautaires, entre autres dans le secteur des arts, de la culture et aussi de la garde des jeunes enfants et des services d'aide pour l'emploi. Et quatrièmement, on va continuer d'agir comme leader pour que les institutions fédérales mettent en œuvre des mesures qui renforcent nos langues officielles. Et on va mesurer la performance de nos institutions pour s'assurer qu'elles livrent des résultats concrets. Our action plan for official languages is an ambitious five-year plan that recognizes the important economic, social, and cultural value of official languages. It takes into account the current and future situation of minority communities in Canada, both French-speaking minorities outside Quebec and English-speaking minorities in Quebec. Our action plan will be focused on results. For example, we'll create a network of early childhood stakeholders in Francophone minority communities across Canada. We'll also expand the supply of internships in sectors experiencing labor shortages for youth in minority communities. This new action plan will help ensure the continued growth and prosperity of both English and French across our country.